Initiating system 1. System 1 loaded. Et hoyo, je suis de retour sur Fallout 4 pour continuer, on va dire, la vidéo. Donc voilà, c'est la suite, on va dire, de l'épisode 89. Donc voilà, là où je m'avais arrêté, on va dire, au niveau de mon, on va dire, business. Donc voilà. Donc bon visionnage. Et voilà, j'ai fait mes affaires, ok, donc là on se donne un peu mieux. Niveau poids, donc ça va, ok. Donc la quête ici, elle est finie. Donc j'aurais plus qu'à la rendre, on va dire. Donc ça, j'aurais plus qu'à la rendre, ok. Ça, c'est un peu loin. En hiver, chercher les pièces détachées, ok. Bon, la prochaine, qu'est-ce que c'est déjà? C'est où ça? Comment j'ai un truc à faire là-bas, c'est quoi ce bordel? Une question. Ah, c'est la purge. Ça, je crois que j'ai déjà fait une Trinity Plaza, il faut que je le refasse. Sérieux? Ah, mais good. Non, il est trop. Ok. Ok, ça c'est pour machin. Défendez la colonie. J'ai eu ma war. Je crois que je vais faire ça en fait. Histoire de confiance et la disparition. Donc voilà. Là il faut que je me TP Demon City. Ah, si je peux faire du moins ça, ça serait pas mal. Allez. Alors nous voilà à Diamond City. Ok, bon. Non, c'est le même endroit. Non. Hein? Et ça c'est là. Je crois que d'abord je vais aller là. Ok, on est chez lui. Ok, d'accord. C'était un alcool ou le mec. Le mec est pire. Ok, ok, ok. Et... je vois pas trop où sont les preuves, hein. Thank you.
maison comme ça, mais il y a que dalle quoi. Il y a même pas d'indice. Bon, est-ce que je vais être avec l'autre personne? Ah, ça dit quoi? C'est il cherche des indices chez Earl Sterling. Mais je ne trouve rien. Je sais pas où il faut aller. Je prends quelque chose que c'est là. Debout là-dedans. En dormant, ça fait que dalle. Ah, c'est un truc bizarre là. Non, je crois que c'est juste de l'écho en fait. Je sèche complètement là. Je sèche complètement. Bon, on va sortir de là alors. Je crois que je passerai avec Valentine. On sait jamais, ça peut être utile avec lui. Je vais faire un coucou là-bas. Vous vous habituerez vite à l'unité de la sécurité de Daimler. Les gradins, connaissez ? Disons que ceux qui y habitent peuvent se permettre d'acheter beaucoup d'habits. Ok. Je crois qu'il faudrait aller là-bas. Pardon. Il vous faut une chambre ? Ah, d'accord. Non. Ok, c'est pas par là. Ok, je vais là. Pas là. Hey. La plupart des gens boivent de la bière, mais on a des tas d'autres boissons, si vous vous en sentez le courage. D'accord, voyons ça. Tout est préparé ou distillé ici. Ok, bon, on va parler avec... Bien. Passons aux choses sérieuses. Vadim est content que vous voulez aider. Pas comme idiot de frère. Travis est un type bien. Il mérite vie meilleure. Et c'est quoi votre idée? Travis a besoin de confiance en lui. Vous savez ce qui marcherait bien? Gagner une bagarre d'en bas. Vous avez déjà fait, hein? Pourquoi vous me demandez ça? Tu veux donner confiance à Travis à coup de beigne? Je demande parce que je veux vous aider Travis à gagner sa première bagarre. Vous pouvez faire ça.
Je vais organiser bagarre à l'auberge. Pas trop sérieux, hein? On s'arrange pour que Travis gagne. Et il se sent bien après. C'est tout. Je veux que vous soyez là pour que ça fasse vrai. Vous en pensez quoi? Ça vous va? Il me faudrait plus d'informations. D'accord. J'ai prévu tout. J'ai contact. Des gens que je peux compter dessus. Très costaud. Mais ils tomberont si on leur donne argent. Ils arrivent ici, ils embêtent Travis. Vous intervenez et vous soutenez Travis pour qu'il leur tienne tête. Ensuite, Travis et vous, vous les mettez par terre. Pas besoin d'être trop violent. Et Travis, il se sent mieux après. Simple, non? Il est fou ce russe. Si ces types sont payés pour se battre, alors moi aussi. J'ai pas l'argent plein les poches. C'est trop tard pour préparer aujourd'hui. Revenez demain soir. Une petite minute. On trouve le jour après 18h. Ok. Ok. Et quelle heure là? Vous avez l'air à vous poser une petite question. Trouvez-vous que les dirigeants de Diamond City sont concernés par votre situation? Salut, Yefim. Content de voir qu'on ne vous a pas encore fait peur. Vous cherchez une chambre? Oui, bien sûr. Merci d'avoir bien voulu vous arrêter cette fois. Vous pouvez m'en dire plus sur cet endroit? Il n'y a pas grand-chose à en dire. On loue des chambres et on vend à boire et à manger. Principalement aux marchands de passage. Mon frère Vadim tient le bar. Carlette est notre serveuse et elle m'aide également à garder les chambres propres. Voilà vos capsules. Je vous ai donné la chambre 2. C'est juste de l'autre côté de la porte. Ok. Chambre 2. Ok. Donc il est 9h. Salut. J'aime pas attendre. Venez, prenez verre. J'ai pas acheté bar pour vendre de l'eau. Quelle merveilleuse nuit. Essayez de ne pas vomir sur le plancher. Vadim est toujours content de voir revenir client. La plupart meurent. Faites signe si vous voulez un verre. Putain, je comprends pas. Je prends votre commande quand vous... Si j'ai bien compris. Vous avez la chambre d'honneur. Ah, enfin. J'espère que ça, c'est la bonne heure. Ah, bien, enfin. Voilà. Vous souhaitez j'ai trouvé la bonne heure.
La plupart des gens boivent de la bière, mais on a des tas d'autres boissons, si vous vous en sentez le courage. Ah bon? Non, on m'intéresse pas pour l'instant. Qu'est-ce que vous voulez? Bah alors? On la ramène. Ça. Je vais comment enlever mon arme, on sait jamais si je dois attaquer. Éviter de le. Moins jouer. Quand on a plus son petit micro, hein? Oh oh! Qu'est-ce que vous voulez? Je t'aime pas et j'aime pas ton émission. Alors, tu vas faire quoi, pauvre minable? Ouais, c'est ça! Je suis juste venu boire un verre. Bah alors, on la ramène moins quand on a plus son petit micro, hein? Oh oh! Qu'est-ce que vous voulez? Bah alors, on la ramène moins quand on a plus son petit micro, hein? Hey. C'est quoi ton problème, toi? C'est ça! On dirait qu'il y a un petit souci par ici. Bah ouais, j'avais pas remarqué. Maintenant, si t'as un brin de jugeote, tu vas mettre les bouts. Tout de suite. Bah allez, fous-moi le camp. Oh. Hey. C'est quoi ton problème, toi? Salut. C'est toi le problème. Joue pas avec le feu, minable. Je te conseille de rester en dehors de ça. Bah allez, fous-moi le camp. Hey. C'est quoi ton problème, toi? Je voudrais que vous le laissiez tranquille. Et moi, je voudrais 1 million de capsules. C'est marrant, hein? J'ai l'impression qu'on va être déçus tous les deux. Bah allez, fous-moi le camp. Hey. C'est quoi ton problème, toi? Pourquoi vous embêtez Travis? Pourquoi tu viens fourrer ton nez dans ce qui te regarde pas? Bah allez, fous-moi le camp. Ok. D'habitude, en général, je vois jamais, mais... Bon, oh mon dieu. Voilà, c'est pour ça. Foutez le camp. Salut l'ami. Ah, c'est vous. Il faut que vous arrêtiez de vous laisser faire. J'ai rien demandé. Je voulais juste prendre un verre. J'ai aucune idée de ce que j'ai fait pour mériter ça. Je voudrais juste qu'il s'en aille. Pourquoi vous ne leur résistez pas? Non! Je veux dire, non, ce serait pas bien. Avec ces types, ça pourrait... Enfin, ça pourrait mal tourner. Vous n'en avez pas marre? Oui, mais... Arrêtez d'être aussi lâche. Je suis pas un lâche. Quelle merveilleuse nuit. Salut l'ami. Salut. Quelque chose. Je veux dire bonjour. Re-bonjour, même. Il sait plus où il habite, lui. J'ai dit, ça suffit. Laissez-moi tranquille. Non, mais regardez-moi ça. Attends. Laisse-moi réfléchir une seconde. Non, pas moyen. Je suis sérieux. Laissez-moi tranquille. Mais c'est qui ferait presque peur, l'avorton? C'est ça, Travis? Tu veux nous faire peur? Tu vas faire quoi, hein? Tu vas nous cogner avec tes petits poings? Je vais vous filer une bonne raclée! Mauvaise pioche, mon gars. Je vais te démonter la tronche et celle de l'astico à côté de toi. Oh. Sécurité! Oh! Au revoir, Bill. Travis? Pourquoi je fais ça? C'est une très mauvaise idée. Salut. La vache! Ma mâchoire! Sans déconner! Putain! Mais merde! C'est quoi ce bordel? C'est pas ce qui était prévu, merde! Je reviendrai! C'est pas fini! Vous pouvez me croire! Eh oui, mais oui. D'habitude, en général, je vois jamais, mais... Bon... Voilà, c'est pour ça. Foutez le camp.
Salut, Travis. La vache. J'arrive pas à le croire. On a réussi. Comment vous vous sentez? Je sais pas. C'est juste... J'y crois pas, quoi. Je pensais pas que je pourrais... Enfin... Faire un truc pareil. C'était complètement dingue. La vache. Écoutez, merci. C'était vraiment quelque chose. Je devrais peut-être aller m'allonger, moi. Ok, on va pas la Vladimir. Je trouve ça s'est bien passé. Pou, pou, pou. Vadim. Je trouve ça s'est bien passé. Pou, pou, pou. On passe à phase suivante du plan imparable. Il va encore falloir se battre? Non, non. Là, c'est simple. Vous avez vu Scarlett, hein? Elle travaille ici depuis un moment. Je suis que barman. Mais je vois les choses. Je vois comment Travis, il la regarde. Et je vois comment, des fois, elle le regarde. Si quelqu'un qui n'est pas patron de Scarlett lui dit de passer du temps avec Travis, peut-être que ça fera du bien au petit gars. Il faut vraiment que je m'en mêle? Réfléchissez. Je suis patron de Scarlett. Si je lui dis « va voir Travis », elle va croire qu'elle est un peu plus que serveuse. Faites ce qu'il faut pour qu'elle accepte de voir Travis. Et ça vaut le coup. Évidemment, on n'a jamais eu conversation. Hein? Ok, d'accord. Bon, ben on va essayer de voir la serveuse, elle est où? Eh, serveuse, où es-tu? Ok, il faut sortir dehors. Bon, on va sortir dehors. Vous avez l'épisode va être un peu plus long. Parce que là, j'ai regardé à peu près où j'en suis. Je suis à 1 heure. Donc voilà, ce sera un double épisode. Là où vous voyez la fin. Alors, elle est où? Quand je pense que c'est Noël aujourd'hui. Mes copains disent que les étrangers sentent mauvais. Mais vous, pas du tout. Ouais, bah merci. Bah, je me lave, j'ai le droit. Ok, on va voir. Hop, oh, t'es là-bas, ok. Ok, allez. Mademoiselle? Je suis en pause, là. J'ai une question assez personnelle à vous poser. C'est à propos de Travis. Travis? Vraiment? Est-ce qu'il a parlé de moi? J'ai entendu parler de cette bagarre. Travis a été... Enfin, assez courageux. Ça vous ferait plaisir qu'il ait parlé de vous? Oui, ça me ferait plaisir. C'est vrai qu'il me plaît bien. Peut-être que... Non, je pourrais jamais. Pourquoi vous êtes si nerveuse? Vous ne risquez rien. Croyez-moi, je risque beaucoup. Écoutez, je suis pas prête à faire ça. Écoutez... Travis est un mec sympa. Je vois bien qu'il vous plaît et que vous lui plaisez. Alors, allez lui parler. D'accord, je vais aller le voir. Merci. Ah, c'était simple. Ok. Bon. Bon, ça c'est fait. On retourne de... voir. Putain, 451. Ouh. Je reviens ça en partie. Enfin, on va être en changement. What the fuck? C'est pas possible. Oh, je le savais. Je le savais. Il manigance quelque chose et voilà le résultat. Vous devez m'aider. Je ne peux rien faire. Il faut que vous m'aidiez. De quoi il parle? De quoi est-ce que vous parlez? Je parle de Vadim. Ils l'ont enlevé. Ces types, ceux qui ont cherché des noises à Travis, ils sont revenus.
Ils ont dit que Vadim leur devait de l'argent, qu'ils avaient passé un marché avec lui. Il n'a pas voulu payer. Alors ils l'ont attrapé et ils ont dit qu'il allait le faire payer. Et ils l'ont emmené de force. Il faut que vous fassiez quelque chose. Dites-moi que vous allez faire quelque chose. Vous savez où ils l'ont emmené ? Non, je n'en ai aucune idée. C'est lui qui avait affaire à eux. Moi, j'ai toujours préféré les éviter. Travis le sait peut-être. Allez lui demander. Dépêchez-vous, je vous en prie. Je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose à Vadim. Une petite minute, si possible. J'ai un truc à faire, là. Ok. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Pensez-vous que la situation... Ok, bon, ben, je pense que je vais vous laisser là sur la question. Cette partie. Donc, je vous dis à plus tard pour un autre épisode sur Fallout 4. Donc voilà. C'était Gunshow. Bye bye.